Bon, là, ça devient moins... Je sais pas, ça devient moins accueillant, là. Alors, on se rapproche du centre, hein. On se rapproche du centre de la galaxie, mais... Ah. Plus vous volez près du cœur de la galaxie, moins votre vol est stable à cause des puits de gravité générés par les amas d'étoiles. Votre autonomie a été réduite pour favoriser la précision. Ok, mais je peux toujours courir jusqu'à 10 parsecs alors. Ok, d'accord. Et j'ai un voile qui apparaît. Ah d'accord, ok. Bon. Donc il faut que je me rapproche de ça apparemment, hein, pour les Grox. Hein. L'objectif c'est de trouver les Grox, hein, je le rappelle. Non, 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 ils sont pas jouasses, ils sont pas jouasses. Oui, ils sont pas jouasses. Allez, hop. Ah, il y a quelque chose là. Non, pas jouasse non plus. Allez, pas jouasse. Hop. Non plus. L'Empire des Grox. Oula. On dirait un personnage de Jack and Dexter. Non, 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 les mecs, les mecs, les mecs, les mecs. Faites pas le con, j'ai traversé la moitié de la galaxie, hein. Quel être mortel et irréfléchi ose perturber la quiétude et la superbe des fantastiques Grox. Comment osez-vous nous imposer votre disgracieuse et infligeante présence? Bah dis donc, t'as vu ta tronche. Sachez que l'idée d'évoluer dans la même atmosphère que vous nous déplaît au plus haut point. Passez le temps des... Cette monestation viendra le temps de la patience de vous voir quitter notre système au plus vite, puis je me passerai la rétine à l'eau de Javel, tant votre morphologie est une insulte à la beauté. Hors d'ici, être hideux et indésirable. Et partez suffisamment vite pour ne pas ressentir les lois de l'attraction universelle. C'est fascinant. Parlez. Ok, vas-y. Accueillez-vous ce gage. Pour des raisons qui dépassent votre entendement basique, nous acceptons. Ok. Une autre question alors. Non, ce n'est pas acceptable. Ok. Bon. On est entré en contact et... ils sont pas jouasses. Ils sont pas jouasses, mais ils nous ont laissé plus ou moins... Putain, mais ils sont vastes en plus. Et je suis réduit à 5 parsecs de vol. Ok, la mission c'est en orange. La
vache. Et leur territoire, elle est immense par contre. Ok. Alors par contre, faut que je prenne la bonne bretelle d'autoroute, hein. Faut pas que je me foire sur la sortie. Bon, donc il faut en fait que je ramène masse d'épices chez eux, hein. Bon, salut les mecs. Salut, ouais je sais, vous êtes pas joyeux, mais j'ai besoin de ravitaillement, alors merci. Oh, j'ai pas vu, c'est un putain de trou noir ça. Bon, ouais, j'ai pas vu, mais c'est un gros trou noir que je viens de que je viens d'éviter. Hein. Ok, faut que j'aille me ravitailler. Plus de vie. Ok, apparemment j'ai découvert peut-être une trentaine d'espèces ou quelque chose en genre. Je suis dans la bonne colonne, donc c'est bon. Je sais pas si on dit une colonne, mais ouais, ok. Alors, faut juste que... Il y a encore un trou noir là-bas. Il y a des sacrés trous noirs quand même. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais ça distord même la... Voilà, ça distord même le temps, quoi. Enfin, l'espace, quoi. Pas mal du tout. Ah oui, j'avais pas vu. Ok, d'accord. Faut juste que je regarde ma carte avant de... Ouais, c'est bon, je suis sur la bonne route. Pierre Fleet, c'est un honneur. Juste, qu'est-ce que tu as? Pas grand-chose d'intéressant. Ravitaille-moi. Merci. En fait, c'était pas mal cette exploration. Cette exploration au fin fond, quoi. Je veux dire, c'était pas à côté, quoi.
Ok, on est de retour tout près de notre galaxie. Eh ben, comme je dis d'habitude, hein, on n'est jamais mieux que chez soi. Ah, quel plaisir. Eh, je peux me balader dans tout le système que j'ai là. En un clic, quoi. Allez, hop. Rentrez chez vous. Il faut revenir sain et sauf. Ouais, ben ils s'en est fait une peu, connard. Ils ont l'air très protecteurs vis-à-vis de leur territoire. Comme s'ils cachaient quelque chose. Sans doute un rapport avec le centre de la galaxie. Tu me renvoies pas là-bas, mec. Il est peut-être temps de traiter de fond cette histoire avec les Crocs et d'aller voir ce qui se passe au centre de la galaxie. Putain, non. Le mec, il nous renvoie. Oui, au niveau du commerce. Alors, moi là, j'ai eu un tas de techno que toi, que dalle, hein, tu m'as rien filé, hein, depuis le début. Bon, maintenant, il propose des feux d'artifice. Ok, d'accord, génial. Bon, bah, c'est tout, hein. Bon. Bon, on va aller voir rapidement nos planètes, hein. Hop. Savez quoi? On va tout vendre aux Grox. C'est fin long. Faudrait voir si on peut prendre la techno des... Comment? Si on peut se servir des trous noirs. J'ai envie de sauvegarder et d'essayer les trous noirs. Genre... Ok, pas de soucis. Si je dois retourner chez Hydrox, je reprends la mission, enfin je prends une mission quoi. J'essaierai quand même bien de prendre une épice bleue. Il y en a ici, je veux dire. Je pourrais essayer sur Cyan. J'essaierai sur Cyan. Ok, alors on amasse. Je vais voir ce que me dit la prochaine mission. Et si la mission est la bonne, je vais chez les Grox vendre mes épices. Là là, c'était mon tout
Je vais étoffer notre empire. Non, 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 quoique. Non, 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 non. Allez, hop. Donc là, ok, vous avez formé une alliance. Ok, la mission la plus rapide du jeu. Ok. Chercher des objets rares. Ok, d'accord. Donc c'est bon. En fait, après, c'est plus que des missions secondaires. Donc aucun intérêt. Donc il y a les Grox là, mais waouh, ils sont loin et ouais. Allez, on va essayer. On va essayer. 3 millions. Ah ouais, non, non, non. En fait, non. Ouais, non, hors de question en fait. Alors, on va voir si on peut déjà aller acheter ça. Deux millions, donc on a 10 millions. Un prix intéressant. Faut voir le prix de la planète quand même. Hein. En plus, c'est du, ouais, c'est de l'épice orange en plus. Enfin bon, ouais, je suis pas sûr d'avoir fait une excellente affaire avec ça. Hein. C'est plus par avarice qu'autre chose que j'ai acheté, que je l'ai acheté quoi. Bon, nos relations avec eux. Ils sont toujours amis. Alors, c'est quoi cette planète-là? Je vais racheter leur système solaire petit à petit, hein. C'est un T2. Comment ça monte le pognon? Oh le pognon! Allez hop! Bah résultat, je vais m'acheter la Soute 3, hein. Pas me faire chier. Hein. Regarde, hop, Soute 3. Acheter. Au revoir. Non, 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 non. Salut. Diplomatie. Action commerciale. Ok. Donc l'action commerciale, c'est bon. Et bah c'est bon, on va commencer à racheter progressivement. C'est cool. Troisième axe commercial, est-ce qu'on essaye de faire deux planètes oranges simultanément? Puis on les laisse tranquilles, puis on va voir ailleurs en attendant. On essaye de faire des alliances ailleurs.
Et espèce par espèce, on va essayer de... Allez, on va essayer... La plus proche, c'est celle-là. Ok, voilà. Comme ça, on a les axes commerciaux en cours. Et on va aller voir nos autres alliés par là-bas. Donc... Ah oui, mais j'ai plus d'épices à vendre, je suis con. C'est ça, hein? Non, j'ai plus d'épices à vendre. Donc non, en fait, il faut que je revienne. Parce que les épices, ça reste quand même le meilleur moyen pour vendre, quoi. Enfin, pour acquérir en fait les... Le bonheur des autres. Après les Grox, ça serait pas mal de les avoir en allié. Avoir les Grox en allié, franchement, ça ferait... Vous avez vu le... Apparemment, le territoire qu'ils ont, c'est hallucinant. Hein. Donc... Moi, je dis, ça serait avantageux de les avoir en allié. Messieurs, bonjour. Boah, les mecs. Ouais, si, ça. Allez, hop. Ok. Donc là, on a une alliance dans ce territoire. Ok. C'est pas... Enfin, on a encore... enfin, on a deux alliances dans ce territoire. On a donc deux espèces en plus alliées. Ce qui nous aide aussi au niveau des vaisseaux quand même. Hein. Faut... Parce que plus on a d'alliés, plus on a de vaisseaux possibles. Donc... C'est moi où il y a deux planètes superposées là. Ah non, c'est parce que... D'accord, ok. C'est parce qu'il y a deux soleils qui sont... Ok. Oh, c'est quoi ça? Ok, il y a de l'épice violette ici. Une nouvelle épice. La planète. J'ai pas vu le... Enfin, Moltoche, ouais, mais... C'est à moi, ça?
Ah, mais en plus, c'est notre T3, quoi. Non, mais... Ils se sont cru où, les mecs, là? Ça va, c'est deux petits vaisseaux, c'est pas grand-chose. Ouh, ça je le veux. Y a monolithe, ça pourrait être sympa. Oh oui, pas ça. S'il y en a un qui vend de l'épice bleue, enfin qui achète de l'épice verte, franchement, il est servi là. Bah par hasard. D'épices vertes, je vais aller rechercher un peu. Voilà, je suis au max. À mon avis, si on a un allié ici qui, ouais, donc eux ils sont heureux. On va essayer de d'ouvrir un contact avec quelqu'un d'autre. Très bien, donc petite coupure, hein. Mon disque dur a saturé. Donc on se retrouve le lendemain et alors aujourd'hui je n'ai pas énormément de temps pour tourner. Mais au moins pour compléter l'épisode 15, car je sais qu'il n'est pas complet. Donc au moins ça, puis éventuellement entamer l'épisode 11. Donc on en est là, je suis où? Je suis loin, ok. Oui c'est ça, j'étais à la recherche. Ah oui, alors c'est ça. Alors depuis la coupure, donc j'ai fait la rencontre d'un nouveau peuple qui est plutôt amical. Hein. J'ai claqué 200 000 pognon pour eux. Mais ils sont pas plus heureux que ça. Donc bon, pour le moment, voilà. Ok, et on a un autre peuple ici. Mais il me semble que je me suis posé sur une planète. Ouais, je me suis posé sur une planète qui est en cours, mais sinon. Voilà, et par là, je regarde rapidement. Ces trois planètes-là sont pas habitées. Enfin, ces trois systèmes solaires. Ok. Êtes-vous comestible? Faut nous faire cuire longtemps. Allez, montre-nous l'image. Voilà. Wow. Ok. Ok, on peut commercer directement avec eux. De toute façon, il faut que... à mon avis, il faut que je monte en grade. Si je veux... Faut que je monte en grade si je veux avoir la soucoupe supplémentaire, enfin le moteur stellaire supérieur. À mon avis, il faut que je débloque encore un ou deux grades. Alors,
D'accord, donc ils sont un petit peu comme les autres, comme les oranges. Allez, on va casquer. Ok. Bon voilà. Pour le moment, on entretient des bonnes relations avec les peuples aux alentours. L'objectif, ça va être de se créer un empire d'alliés, déjà, dans un premier temps. Ça va être vraiment rallier déjà un maximum de peuples à nous et racheter progressivement les systèmes solaires. Je pense que... Voilà, c'est un gameplay voilà qui se laisse faire quoi, qui et après eh ben on peut toujours faire disparaître les alliés que enfin les ennemis via l'intermédiaire de nos alliés. Donc on va pas vraiment se concentrer en fait sur notre peuple. On va vraiment voilà, on va vraiment créer une sorte de confédération interstellaire qui sera composée de notre peuple et d'autres peuples. Waouh, le swag! Je kiffe les lunettes, mec! T'as le swag! J'ai envie de tester les monolithes quand même. On verra plus tard. J'aime bien sa voix. Alors, philosophie. Sage voyageur, apprenez sans relâche, car les réponses aux questions essentielles sont multiples. Oh, ça c'est joliment dit. Aussi, nous, les empires bois-bois, avons-nous adopté la philosophie de l'harmonie. Elle enseigne que chaque espèce doit trouver sa propre vérité. Pour les adeptes de l'harmonie, la pierre de touche est le monde d'origine. Notre don nous permet d'y revenir par téléportation. C'est pour nous un lien essentiel. Ok. Je kiffe ce peuple. Sincèrement. Accepte ce gage d'amitié. Ok. Diplomatie. Ok, et j'ai vu qu'il y avait, voilà, qu'il y avait quelque chose par là, je vais y jeter un œil. J'ai pas vu le... Ouais, c'est par là. C'est là. Ok, c'est encore une connerie à vendre. J'aime bien les nos trois vaisseaux là, qui, enfin nos trois alliés. Toute façon, on devrait avoir une quatrième soucoupe d'ici peu en allié. Là, il y a quelque chose là. Quelque chose là. Et il y a un autre peuple ici. Ok. Donc c'est ça. Excusez-moi. Donc c'est ça. C'est essentiellement d'exploration de planètes. Ok. Bonjour. On s'arrête. On donne son nom. Honneur. Ok. Donc eux, ils sont pas trop jouasses. Diplomatie. Parlez-moi de philosophie.
La force, donc eux, ce sont des guerriers. Je peux lire davantage. Ok, bon, on reste en contact avec eux. Oh, eux, ils sont joyeux. Alors, non, il fait rien d'intéressant. Tiens, achète-moi ça, tiens. Est-ce qu'on peut directement avoir? Oui, ok. Alors là, diplomatie. Nickel. Quoique eux ils sont seuls. Est-ce qu'on prend le risque? Parce qu'ils ont une planète bleue. Enfin ils ont une planète avec de l'épice bleue. Oh, on leur rachètera. On leur rachètera, franchement. Je pense qu'il y a moyen quoi. Il y a moyen de se racheter au bout d'un moment une planète avec de l'épice bleue. J'ai raté quelque chose, non? Ok. Bah, j'arrive au bout du système, apparemment. Et bah, il y a quelque chose. Ils sont passés où, mes alliés? Ils sont à la traîne. Bon. Nous voyons que la nature, dans son infinie bonté, a produit une autre espèce intelligente. Ok. Donc, eux, c'est des écolos. Je vérifie quand même, hein. J'attends, c'est le moteur interstellaire ou plus d'énergie. Hein. Alors. Manuscrit de la vie. Ok. D'amitié, ok. Et au revoir, voilà. Donc pour le moment, on a eu qu'un allié là-bas. Ok, là-bas, il y a encore autre chose. Je regarde juste dans les alentours. Là, il y a autre chose. Sinon, là, j'ai vu. Hein. Là, ici. Bon. Les chiens, il y a pas mal de naines rouges ici, en fait, on s'y perd un peu. Ouh, ça c'est bon ça. Ouais. Oh, drôle d'espèce. Bon, ok. Donc, diplomatie. Votre race, l'empire, la philosophie de l'ordre. Sous le fronton de la porte du Grand Conseil est écrit... La paix est le fruit de l'ordre et de la raison. Notre but est de rallier chaque nation, chaque race, chaque empire à l'ordre. Ouh, intéressant. Nous leur offrons la super technologie du champ magnétique qui neutralise les tourelles défensives des villes ennemies. Cela permet à nos soucoupes et à nos alliés d'aller faire entendre raison à leurs dirigeants. Ouais, D'accord, donc c'est un peu l'ordre par la paix, mais aussi par la soumission, quoi. Donc, bon, moyen, moyen.
Ok, on a un allié supplémentaire. Dommage que sur la longue, comment le, on n'a pas l'alliance sur le, sur la vue vraiment globale quoi. Bon. Alors une naine rouge. J'ai dit qu'il y avait une naine rouge qui était habitée. Non, loin de là, c'est celle-là. D'accord, c'est des guerriers. Ouais, bon. Ce sera tout. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'exploration. Franchement, c'était pas mal. Ok, eux, ils ont colonisé une planète. Mais c'est des pigeons, c'est pas intéressant. Ils ont pas colonisé de planète. Allez, on va rejoindre notre système à nous. On va aller récupérer quelques épices. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Catastrophe écologique. Oh. Ah. Bon, ben, on va faire ça. Sous les arbres encore. Il y en a un autre. Ok, parce qu'il y en avait un autre côté. Ok. Salut les mecs, au revoir. Bon, on va aller récupérer quelques épices. Et on va voir. Alors, déjà ici, niveau. Alors, niveau éco. On a ici, ça avance. On a ici, c'est en cours. Mais il me manque 5 millions pour pouvoir acheter leur système. Donc, on fait le tour des épices. Et il me faudrait vraiment des épices bleues. J'aurais de l'épice bleue, je pourrais racheter 6 sans problème. C'est de l'épice qui a l'air assez rare. Je vais également essayer de me débarrasser. Je vais voir, je vais peut-être pas me débarrasser tout de suite des autres plantes. De toute façon, j'ai de la soute, hein, c'est pas un problème. Quoi, 17 seulement la planète mère? Moi.
Ah oui, non. Ouais, ah oui, c'est vrai, il y avait de l'épice bleue ici. Ah oui, j'avais dit Xi'an, ce serait pas mal de la conquérir et éventuellement faire un. C'est un T0, hein. Ça va être galère à transformer en T3. Ça a coûté cher. Bon. Ok, c'est bon. Bon, pour le moment, j'accumule et je vendrai tout d'un seul coup. Et je vendrai tout d'un seul coup à quelqu'un d'autre. Un de nos récents alliés. Ok, j'ai max d'épices jaunes. Je vais voir où est-ce que je peux vendre ça. Je vais voir pour vendre ça là-bas. Non, ça se vend pas. L'épice rose se vend bien ici par contre. Ça vaut le coup. L'épice jaune, ça vaut pas le coup parce que je suis plein. L'épice verte. Bah, y a rien. Épice jaune, épice rose, enfin orange. Ok. Bon là ça c'est pas mal. J'allais voir nos alliés là-bas. Nos alliés ici ou on va essayer d'améliorer les relations avec eux. Bon, on verra. Je pense pas. J'ai envie de vendre au prix max, c'est-à-dire 50 000 l'épice, quoi.
Ça vaudrait combien si je vendais tout là? 1 400 000. Je peux avoir pour plus cher. Je suis sûr que je peux trouver pour plus cher. Ouais, il achetait plus cher l'autre, hein, mais donc bof. L'épice verte, ça donne combien ça? Presque 2 000, presque 2 millions. Oh, je vais lâcher, hein. Oh, allez, c'est fait. Attends, est-ce que résultat? Ouais. Alors, résultat, vu qu'on vient de faire un beau commerce avec eux, est-ce que si je les arrose en plus? Bon, bah, j'ai perdu 100 000. Ça fait rien. C'est rien. 100 000. Oui, alors ça, ce sont les alliés que vous avez pas vus. Alors, non, c'est du commerce que je veux faire. Mais non, mais t'es sérieux? Tu sers à rien, mec. Tu sers à rien. Bon. Bon allez, on va vendre notre épicerie chez eux là. Putain, c'est bizarre, ils en ont dans leur système. Ouais, enfin bon. Remarque, nous on a de l'épice bleue dans notre système, mais pas pour autant que. Putain, le prix a diminué, résultat. Putain. J'ai envie d'acheter leur épice bleue et de leur vendre ailleurs. Plutôt acheter leur épice bleue. On va acheter leur épice bleue et la revendre ailleurs. J'ai envie de la revendre à mon système. Sur la planète que je vais acheter là. Cette planète. C'est sûr que les pistes bleues, ils vont casquer à mort. Ah, pas tant que ça. Hein. Attends. Parce qu'il y a deux planètes ici. Bon, on va faire un peu le tour de. Non. Ils ont pratiquement plus de thunes, je pense.
J'adore la texture de mon vaisseau qui disparaît. Bon, allez, hop. Commerce. Non, mais tu es sérieux? Bon, ici ça devient un peu plus intéressant. Ouais, allez, hop, vendre. Mais tant pis, je me contente des 1400 là. Ok, j'ai acheté le système de lot là. Ok. Je vais aller acheter ce système. Hop, ce système nous appartient. Empereur 3. Ouh. Apparemment, on a des trucs de terraformage, mais plus... Apparemment, pas peut-être permanent. Qui peuvent servir d'armes en fait. Ça pourrait être sympa ça. Si, enfin, si c'est ça, ça peut être sympa. Ok. On va aller voir sur notre planète mère. Et on va ouvrir un axe commercial après. Alors, ah oui, par contre j'ai plus de thunes. C'est le problème. La méga laser, mais ça je m'en fiche. Rayon champ. Ouais, c'est ça. C'est des éléments permanents. Des éléments permanents. Alors, il y a ces deux trucs là. Ah, par contre, le glaceur d'atmosphère, c'est faire baisser la température. Ah non, c'est juste pour gérer la température, ça. Ok, donc l'atmosphère, par contre, ça devrait être le niveau supérieur, je pense. Mais ça pourrait être intéressant. Il me faut 1 million en gros pour acheter les deux. C'est tout faisable. On va aller voir pour acheter le... pas cette planète. Cette planète, mais ils ont qu'une... Ah non, 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 c'est leur planète mère, ça.